wanna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart and spin out with him. Do the hold down and get into it. Salut à tous. Dans cette vidéo, je vous enseigne comment danser The Get Up, chorégraphie de Sébastien Bonnier sur une chanson de Blanco Brown. Donc c'est une petite danse facile qui permet de s'amuser. Il ne faut pas se prendre au sérieux, il faut se lâcher un petit peu sur celle-là. Allez, on va partir du pied gauche. Faire un vaïn à gauche. 1, 2, 3, touch et clap. On fait un vaïn à droite de la même façon. Vaïn à droite, touch et clap. Ensuite, des side touch. Gauche, touch, on fait des snaps, droite, touch. Et là, ça va être le moment le plus difficile de la choré peut-être. On met le pied gauche à gauche et on va devoir faire un transfert du poids du corps tout en faisant des bumps. Allez, je vous remontre la deuxième section. Ça fait side, touch, bump, 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 bump. On va reprendre depuis le début. 7, 8, vine à gauche, touch, vine à droite, touch, side, touch, bump, 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 bump. On est en appui pied gauche. On va partir à droite, faire side, on lève les bras et on va passer le pied gauche derrière, on pointe en arrière et on snap les deux mains en bas. On fait pareil à gauche, pied gauche à gauche, les mains en l'air, pointe droite derrière, deux snaps en bas. Pied droit, à droite, les deux mains en l'air, pointe gauche derrière, on snap en bas. Et encore une fois, pareil à gauche. Ok. Allez, je vous montre cette section-là. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc pour faire ça, pour passer votre pied derrière, vous devez absolument fléchir un petit peu la jambe sur laquelle vous êtes appuyé. Sinon, ça va être un peu trop raide. On refait depuis le début. 5, 6, 7, 8. Vine à gauche. Vine à droite. Side, touch. Transfert du poids du corps à droite. Pointe, gauche. Pointe, droite. Croise derrière. Croise derrière. Là, on va faire deux step quart. Donc, marche du droit. Pivot quart. Marche du droit, pivot quart et un V-step, avance le droit en diagonale, le gauche en diagonale, remet le pied droit où il était, termine en touch. Alors à la fin, quand on fait le V-step, termine, on peut aussi faire un léger rebond et claquer des doigts pour terminer la danse. On va refaire cette dernière section. Donc on était dans cette position juste avant, alors ça fait 7, 8, step, car V step, out, out, in, touch. Et la danse est terminée, il n'y a que deux murs, pas de tag, pas de restart. On l'a fait en entier avec les termes. 7, 8, vine à gauche, clap, vine à droite, touch et clap, side, touch, bump à droite, cross derrière, gauche, cross, droite, cross, gauche, cross, step, quart de tour, V-step, out, out, in, touch. La danse complète avec les comptes. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On reprend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On termine bien en touch du gauche. Pour repartir du pied gauche. C'est pas très difficile, à vous de jouer et à bientôt sur les pistes de danse. Ciao !